D'ailleurs, Guillaume de Super Game Land, si vous faites du rétro et vous avez des boîtes comme ça, regardez. Attendez, je vais vous montrer, parce qu'il faut que je vous montre, c'est pas possible autrement. Je vais lui faire de la pub un peu. Si vous faites du rétro et que vous avez des boîtes en cartouche NES, il fait des. SNES, NES, Nintendo 64, même Mega Drive, il fait tout ça. Il fait un plastique qui se met autour des cartouches et qui les rend magistrales. Et ça coûte peanuts, hein, ce bout de plastique. Hein. Ça coûte vraiment peanuts. Et si vous voulez protéger vos cartouches, si vous voulez tout simplement l'exposer sur une bibliothèque comme ça donne un cachet à la cartouche qui est juste magnifique. Et